Corps du Christ, un seul corps. Somos corpus. La paix du Christ. Amen. Les textes d'aujourd'hui, c'est assez curieux, hein? On parle de résurrection, on parle des martyrs d'Israël, on parle de persévérance. Nous sommes le Vumbukulu. Mpashi Zabalaba Israël. Mais pourquoi l'Église nous parle de ça? Nous sommes au Kangamaneo. La paix du Christ. Amen. Mameto l'Église. Wakaze Bitié Ngonda Yahoui. Comment on appelle ce mois? C'est le mois des. Le mois des. Bah, défunt est mort. Comment? Mais défunt, les défunts sont les morts. J'ai pas compris. Ah, le mois des saints. Bon, si vous voulez. Mais nous célébrons, n'est-ce pas, pendant tout ce mois de novembre-là, n'est-ce pas, nous prions pour les morts. Mais on a commencé par la Toussaint. Ah, ouais, il n'a pas tort. On a commencé par la Toussaint. Et la paix du Christ. Amen. Les textes qu'on a lus, là. Jésus a dit à la fin, dans Luc 20, Moïse l'a dit, Jésus l'a repris. Le Dieu là, notre Dieu, il n'est pas le Dieu des, mais il est le Dieu des. Justement, comme il est le Dieu des vivants, il y a incompréhension. Comment ça se fait que les chrétiens catholiques partent au cimetière? D'abord, le 2, nous avons célébré les morts. Le premier, c'était la Toussaint. Ce sont les vivants. La paix du Christ. Amen. Ils sont vivants dans la gloire de Dieu. Nous avons suivi dans Apocalypse 7. Apocalypse 7. Mais d'où viennent-ils? Ah, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et quoi batou, kiri kunton, tolo batou, kiri, basukuri bin kutibia ou munti, moumengama, moanati meme. La paix du Christ. Amen. Et puis après le premier, nous voilà le deux, on a célébré les morts. Et Jésus dit aujourd'hui, notre Dieu, Dieu est le Dieu des. Alors l'Église, en prenant ces textes aujourd'hui, pourquoi? Pour dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et les suffrages sont là. Suffrage, allez, ma bonne azou. Suffrage, voilà. Et où est-ce que tu as fait le sambri, c'est ça, non? Voilà. Et puis, dans plusieurs endroits, aujourd'hui, on n'honore plus les cimetières. On ne fait plus la propreté parce que, mais où est-ce que tu as fait le ciment? Où est-ce que tu as fait le ciment? Et voilà, il part de cette interprétation, l'interprétation de cet évangile, la conclusion de Jésus. Mais l'Église, partant toujours de ces textes-là, de l'évangile, nous dit ceci. Attention, attention, Katouhou Nakanadi. Ne faisons pas la mauvaise interprétation. Et l'Église nous dit ceci. Les suffrages, c'est rien, c'est juste un petit groupe. Mais les chrétiens, et les chrétiens catholiques, ne prient pas les morts. Non, on ne prie pas les morts. Nous prions pour les morts. C'est différent. Il y a un fouille qui a dit Wale. Quand on a dit Sambiri, on a dit que nous avons fouillé la tiari, que vous avez la paix de Christ. Amen. Alors, est-ce que c'est une contradiction avec Jésus? L'Église nous dit non. Voilà.
Dans le livre des martyrs, nous avons entendu dans la première lecture, sept frères ont refusé le péché. On a voulu leur imposer une loi pour manger des aliments interdits. Ils ont dit, nous là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Yanou Ayirika Biabianso, Watu Enbin Nama Biaubi, Na Wumunu na Biabiansoni, Beto Katun Kalako. Nous allons lui rester fidèles, même si on nous coupe la langue, même si on nous coupe les pieds, même si on souffre, c'est pour sa gloire. La fin, qu'est-ce qu'ils disent? Les mêmes membres là, Dieu qui les a créés, vous les ôtez là. Vous coupez, mais Dieu va les remettre. La paix du Christ. Hein? Amen. Les remettre, ça veut dire quoi? Nous ressusciterons. Motuvu mbukamunzambi. L'Église veut nous dire aujourd'hui, attention. Bobatokofwe. Boite le Yezo. Bobatokofwe tsukuya timbo bamana vumbuka boite le Yezo. Eko bitinda kubitinda mbo bamana telama. Ah, mais ce sont de vieux chants là, tous les jeunes là ne connaissent même pas ça. Et quand tu as mal loin, mais ce sont eux qui nous ont donné ces chants là qui manifestent notre foi. La paix du Christ. Déjà donc dans la première lecture, dans le livre des martyrs, voilà, c'est notre foi en la résurrection qui est manifestée. Saint Paul dans la deuxième lecture vient dire, ah, eh bien, tantamaneno, continuez dans votre foi. Parce que Jésus, s'il est ressuscité, nous serons aussi. Eh bien oui, s'il a vaincu la mort, nous vaincrons aussi la mort. La paix du Christ. Amen. Alors, l'Église veut nous dire aujourd'hui, attention, ne vous laissez pas disperser. Gardez votre foi en la résurrection. Parce que Jésus, s'il est mort et ressuscité, toi aussi tu ressusciteras. Mais pourquoi Jésus dit encore à la fin, comme je disais tout à l'heure, le Dieu, notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça veut dire simplement ceci. La mort dont parle le Jésus, cette mort-là, attention, il y a plusieurs morts, il y a deux morts. La paix du Christ. Et vous les jeunes, là, suivez l'évangile. C'est vous qui allez n'importe où, là, on dit n'importe quoi. Maintenant aussi, vous ne respectez plus vos parents, vous faites n'importe quoi. Alors que l'évangile, n'est-ce pas, vous éduque pour vous élever. Il y a les églises partout maintenant, à gauche et à droite, là. Et vous, là, vous n'avez pas d'argument. Dès qu'on dit quelque chose, c'est fini. C'est ça. La paix du Christ. Alors, je disais, mais est-ce qu'il y a contradiction? Non. Voilà. Je disais, les saints sont vivants en Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, l'Apocalypse 7 le dit déjà. Ces gens qui ont souffert là, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'était la Toussaint. Ils sont entrés dans la gloire de Dieu. Mais vous voyez, il y a d'autres aussi comme vous et moi qui sont encore sur cette terre. Nous ne savons pas par rapport à ce que nous faisons là, où est-ce que nous serons plus tard. Vous comprenez? Alors, celui qui meurt, je meurs physiquement. Je meurs physiquement. Là, quand je meurs sur cette terre, ce n'est pas de cette mort-là que Jésus parle. Tout le monde va passer, tout le monde va. Nsaï Antoto. Ngewe Nalunzi. Tout ce qui est sur terre là va passer. Et les riches et les pauvres, nous tous, nous passerons. La paix du Christ. Amen. Ça, c'est la mort physique. Et Jésus dit ceci. N'aie pas peur de celui qui tue le corps, mais aie plutôt peur de celui qui peut non seulement te tuer le corps, mais te prendre l'âme aussi. La paix du Christ. Amen. Alors, la deuxième mort, c'est laquelle? C'est que lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46,
Jésus dit ceci. À la fin des temps, quand le Fils de l'homme viendra, il mettra certains à sa gauche et d'autres à sa droite. Vous connaissez les noms. Et puis il dit ceci. Toi là, j'avais faim, tu m'avais donné à. J'avais soif, tu m'avais donné à. J'étais nu, tu m'as habillé. J'étais en prison, tu m'as. Il dit, petit, tu as fait tout ça là. Entre au ciel. La paix de Christ. Amen. Tu ne meurs pas, tu entres dans la gloire de Dieu. Tu es vivant. Dieu est le Dieu de celui-là qui est vivant. Et puis Jésus se tourne encore. Le roi là va se tourner vers d'autres encore. Ceux qui étaient à sa gauche là, qu'on a appelé les boucs. Eh bien, il leur dit simplement, vous là, les mêmes choses, je ne vous ai pas vu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et ainsi de suite. Et puis il dit, allez-vous-en loin de moi. Au feu, dans le feu éternel. Dans le feu éternel. Là où il y a les pleurs et les grincements de dents. C'est ça la deuxième mort. Dieu n'est pas le Dieu de ceux-là parce qu'ils sont perdus pour toujours. Dieu est le Dieu des vivants, ceux qui sont entrés dans sa gloire. Il n'est pas question de cette mort physique. C'est la mort spirituelle. Quand tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence, quand tu l'as aimé dans la scola populaire, dans la vérité, quand tu l'as servi en politique, dans la vérité, je dis bien dans la vérité. Quand tu l'as servi dans la police, dans l'armée, et ainsi de suite, dans la vérité, en respectant les autres, Jésus va dire, mais tiens, lorsqu'on m'a arrêté là, eh bien, tu m'as bien accueilli. Tu as été juste. Il est avocat. Tu n'as pas truqué le jugement. Tu as été juste. Entre dans la maison de mon père. Tu n'as fait que détourner de l'argent. Tu as volé dans la scola populaire. Tu as volé en politique. Les gens sont en train de souffrir. Tu les as rendus misérables. Quand Jésus va lever la tête, il dit, « Ngename, katunanchin sako. Yendekune, kumbongulu. » La paix du Christ. Amen. Donc tu meurs sur cette terre et là-bas aussi tu es perdu pour toujours. Quand Jésus dit, notre Dieu est le Dieu des vivants, c'est le Dieu de ces vivants-là qui sur la terre, attention, vivant depuis la terre jusqu'au ciel. Vous entendez ça, hein? Mais comment on arrive en enfer? On dit tout ce... Non. On sème ce qu'on a, on récolte plutôt ce qu'on a semé. Voilà. La paix du Christ. On récolte ce qu'on a semé. Quand tu sèmes l'amour ici, tu récoltes l'amour. Tu as semé l'amour, tu récoltes Dieu qui est amour. Tu as semé la miséricorde, tu récoltes Dieu qui est miséricorde. C'est ce qu'on appelle des graines d'éternité. Tout ce que tu fais de bien sur cette terre. De toutes les façons, Jésus a tout dit. On reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est ça, non? Mais quand tu as planté le manguier, tu vas manger quoi? Tu manges des mangues. Mais quand tu as planté des épines, tu vas récolter quoi? Ah oui, les épines ne vont pas te donner des fleurs. Des fleurs d'épines. Ne vont pas te donner des mangues ou des oranges. La paix de Christ. Amen. Le bien que tu fais aujourd'hui, c'est ce bien que tu vas récolter. Regardez la vie de Lazare, le riche et Lazare. Ah! Tata Abraham, t'es là Lazare. T'es là Lazare. Nakani mona tela. Monakani mona tela. T'es là de quoi? Voilà une goutte d'eau. Ngati mempe. Ah mpui la mamba. Il dit, mais non, c'est pas possible. Toi là-bas, tu l'as même pas regardé. Ici, on ne peut pas te regarder non plus. Ce que je fais sur cette terre, c'est ce qui me poursuit de l'autre côté. Les petits. Si jeunesse savait. C'est maintenant qu'il faut comprendre. Ne pensez pas que quand vous volez aujourd'hui, vous allez devenir mieux demain. Ce n'est pas vrai. Qui vole aujourd'hui, vole demain. Qui prend un œuf aujourd'hui, prendra un bœuf demain. Tu vas commencer le djamba maintenant là. Le djamba là va te détruire la vie. C'est la même chose.
Ah, moi, na initiation, quoi. Moi, tu, moi prière, quoi. Moi, moi tu prière, ina. La petite magie que tu fais, là, le démon va te récupérer après. Parce que tu joues avec lui. Mais quand tu sers ton Dieu dans la vérité, sur cette terre, quand tu es fidèle, tu seras vivant en lui. Dieu est le Dieu des vivants. Ce Dieu des vivants, c'est le Dieu de ce vivant-là qui a commencé à être vivant par le bien sur cette terre et qui sera vivant avec lui dans le ciel. Au ciel. La paix du Christ. Amen. Vous me comprenez les jeunes, hein? Parce que vous voyez, lorsqu'on arrive de l'autre côté là-bas, c'est trop tard. C'est trop tard. La paix du Christ. Amen. Alors, les âmes du purgatoire. J'ai dit, certains se perdent pour toujours. Les âmes du purgatoire, ça veut dire quoi? J'ai expliqué ça le dimanche dernier. Si vous cherchez le mot purgatoire, là, les églises vont dire, même purgatoire, il y a la Bible. La paix du Christ. Amen. J'ai dit dimanche dernier, faites attention. Le mot Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent, mais le mot Trinité, là, c'est pas dans la Bible. C'est l'homme qui invente les concepts. Il dit, comme il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois, en un seul Dieu. Alors j'appelle ce mystère-là le mystère de la Trinité. Aujourd'hui, c'est le 6 novembre, non? Suivez bien, c'est le 6 novembre, non? Très bien. C'est la journée de quoi? La journée de l'arbre. C'est ça, non? Vous avez raison, les mamans. C'est la journée de l'arbre. Journée de l'arbre. Dieu a créé les arbres là, le 6 novembre. C'est l'homme qui a décidé, n'est-ce pas, qu'on célèbre l'arbre, la nature, le 6 novembre. Vous comprenez ça? Mais c'est tout. Mais Dieu a effectivement créé le monde. Il a créé les arbres. Et l'homme, n'est-ce pas, dans son intelligence, dit, pour célébrer ceci, parce que nous ne savons pas à quel moment Dieu a créé tout ça, nous allons célébrer ce jour, le 6 novembre. D'ailleurs, quand j'étais petit, on ne s'élevait même pas le 6 novembre. C'est seulement un certain moment. Comme on voit la dégradation de la nature, on coupe n'importe comment. On dit COP 21, COP 22, COP 23. Mais entre-temps, là, on coupe les arbres en disant coupe 1000, coupe 1002, coupe 1003. On continue à couper. La paix du Christ. Amen. Alors, l'homme a décidé de donner ces dates-là, de donner symboliquement, de dire que voilà, ce jour-là, on célèbre ceci. Donc, le purgatoire, le mot n'existe pas dans la Bible. Mais c'est une réalité. Alors, dimanche dernier, je donne un exemple. La paix de Christ. Amen. Vous êtes ici, N'tchana, vous êtes ici. Bon, vous êtes ici. Vous êtes ici. Lembi. Balam, vous êtes ici. Vous êtes ici. Vous êtes ici. À table. Mais vous êtes non? Mais voilà un enfant qui est resté là-bas. Il est allé au foot. Il n'a pas été à la messe. Il est revenu là, sale. Il a joué dans la boue. Et quand il arrive, il voit les autres qui sont en train de manger. Bougatou là. Vous êtes ici à table. Ah, vous ça. Il n'a trop yebela. Yebela, tsema, mbouiza à table. Ça veut dire quoi? C'est ça le purgatoire. Purifie-toi d'abord. Et qui purifie? C'est Jésus qui purifie. Voilà pourquoi nous demandons les messes. Ngatou mengama Yezu. Maba tseme ça. Boubabana tseki tseki. Bouba luata boumpembe. Ni bou na bakota moutimfu moutiama. Zulu. C'est ça le purgatoire. Alors nous prions pour ceux qui, comme vous et moi, nous avons fait des choses parfois bizarres sur cette terre, mais qui ne sont pas très très graves, qui ne nous emmènent pas en enfer. Et Dieu va quand même nous accepter dans son royaume. Mais avant d'entrer là-bas, lave d'abord la chemise. C'est tout ce temps-là. Mais comme on ne peut pas laver avec du savon, comme on ne peut pas laver avec nos propres prières, nous demandons les messes afin que ces gens-là soient acceptés. Je l'ai déjà dit dès le départ, c'est peut-être la quatrième fois que je dis ça. Respecter les morts. Toi qui n'as pas nettoyé chez maman, là, que tu as oublié, tu n'es pas allé nettoyer. C'est vrai que maman est décédée, mais elle repose là. Va mettre la propreté, le respect de ceux qui sont partis. Ce n'est pas cette mort physique-là qui compte. Et prie pour cette personne, langatika vuka mesumanzabi. Voilà pourquoi, dans l'évangile, je vais quand même résumer ça. On a pensé au mariage, non? On a dit, sept frères ont épousé la même femme. Le premier, quand il meurt, eh bien, c'est la loi du Lévirat. Le premier, quand il meurt, pour ne pas laisser la femme veuve. Et puis,
les enfants sans père, eh bien, le deuxième épouse la même femme. Vous comprenez, non? Et puis, chaque fois, Baba Nsoulou Bameni fois, ils étaient sept. Ça signifie que cette femme-là, quand elle va ressusciter, elle sera, n'est-ce pas, devant les sept, là. Les sept-là ne seront plus ses maris. Ce sont ses frères. Vous avez compris, non? Oui. Donc, notre Dieu, là, ne pensons pas que ce que nous faisons sur la terre, c'est la même chose au ciel. Ne pensons pas que nous allons porter les mêmes habits là-bas. Ne pensez pas que moi, je vais entrer là-bas avec ce chapeau-là. Quand on va m'enterrer, si Dieu le veut, on va me placer ça. Mais devant Dieu, là-bas, ça n'existe pas. La paix du Christ. Amen. Donc, nous ressusciterons. Il faut garder sa foi en Dieu. La paix du Christ. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? Mais on va le dire, non? Ma panza meno kamaniko. Attention. Voilà, vous imaginez des choses ici sur la terre. Jésus a dit, vous mariez, vous mangez, vous faites ceci, vous faites cela. Là-bas, non, 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 non. Là-bas, on est comme des anges. La paix du Christ. Alors, je termine cette partie en disant ceci. Notre Dieu est le Dieu des vivants, c'est Jésus qui l'a dit. Mais toi aussi, tu es vivant déjà sur cette terre, quand tu aimes ton Dieu, quand tu respectes les autres, quand tu fais la volonté de Dieu. Et parce que tu es vivant, tu vas entrer dans l'éternité de Dieu qui est éternellement vivant. La paix du Christ. Amen. Alors qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi. Bon, je suis venu ici pour installer l'abbé qui? L'abbé Nani? L'abbé Renaud Silver qui? Nzonzi. Monsieur l'abbé, vous avez un double titre. Vous êtes non seulement curé, je vous installe comme curé, mais également comme curé doyen. Eh bien, le doyenné, notre diocèse là, notre archidiocèse a 10 doyennés. Vous avez télé, vous avez dit la messe à doyenné Ninchi. Eh bien, doyenné, ce sont les parties du diocèse qui regroupent des paroisses. Vous avez compris, non? Voilà, on est reparti comme ça. Maintenant, à la tête de chaque doyenné, il y a un doyen, un curé doyen. Et dans le doyenné de Saint-Pie-X, le doyen, c'est M. l'abbé Silver. Saint-Pie-X, ce doyenné-là, a 5 paroisses. Saint-Pie-X, Notre-Dame des Apôtres, Notre-Dame des Suffrages, Saint-Amboise de, et puis Ngampoko. Ça fait 5, c'est ça, non? Eh bien, ça forme ce doyenné. Et entre guillemets, le chef, c'est pas un bon mot, le serviteur des serviteurs de ce doyenné-là, c'est l'abbé Silver. Monsieur l'abbé, je vais juste rappeler quelques prérogatives. Il vous appartient, monsieur l'abbé, monsieur le curé doyen, d'évaluer la situation pastorale des communautés paroissiales de votre doyenné, de votre secteur. Il vous faut élaborer un plan pastoral d'ensemble en synergie avec les autres curés. Il faut un conseil pastoral paroissial du doyenné, avec les représentants de chaque conseil. Il vous faut favoriser la bonne coopération entre les équipes presbytérales et les échanges d'expériences entre conseils pastoraux paroissiaux. Il vous faut favoriser les rencontres entre les conseils économiques, comment les uns travaillent, les autres aussi, en suivant les directives de la SOA. Il vous faut superviser les rencontres de prière et surtout d'enseignement entre les mouvements d'apostolat du secteur. Susciter la convocation des riciens, des fraternités du secteur,
des scolas populaires et des autres en secteur pour des moments de prière ensemble. Travaillez avec vos frères les curés. Il vous faut veiller à ce que les paroisses du secteur transmettent à la fin de chaque trimestre un rapport trimestriel. Eh bien oui, il faut transmettre les rapports. Il faut que l'évêque sache comment ça marche. Monsieur le curé doyen, vous veillerez aussi à ce que les prêtres de votre secteur, je dis bien, le curé doyen veillera à ce que les prêtres de son secteur, dont il connaîtra la grave maladie, ne manquent d'aucun secours matériel et spirituel. Il y a un prêtre qui est malade, vous veillez dessus, mais à partir de qui? Du curé qui doit vous renseigner. Vous devez améliorer et consolider les liens de collaboration avec les communautés religieuses du secteur en vue de susciter leur implication dans tel ou tel service ecclésial ou association de la cité. Père curé doyen, c'est une très grande responsabilité. C'est une lourde charge. Je vais peut-être exagérer, mais c'est ça la réalité. L'évêque a l'ensemble du diocèse, la paix du Christ. Et le curé doyen a une petite portion, n'est-ce pas, du diocèse. Donc c'est un petit évêque. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut l'appeler Monseigneur, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, c'est le rôle que joue l'évêque là au niveau du diocèse. Lui, il joue ça au niveau, n'est-ce pas, du doyenné. Alors il est appelé, n'est-ce pas, à veiller pour que l'Église, dans le doyenné, marche selon la volonté de Dieu. Alors priez pour lui, pour que dans son travail il soit humble, pour que dans son travail il soit efficace, pour que dans son travail il ressemble à Jésus, qu'il soit le pasteur de ses brebis. Priez aussi pour tous les prêtres du secteur, afin qu'ils soient en collaboration et qu'ils travaillent la main dans la main. La paix du Christ. Amen. Ah, réunion, n'est-ce pas? Nous sommes là, nous ne pouvons pas doyen, nous sommes là. Ah bon? Nous sommes là. Mais tu as promis obéissance à ton évêque. Et si tu as promis obéissance à ton évêque, là, et à ses successeurs, tu as fait le pas pendant l'ordination, eh bien, l'évêque a envoyé un doyen. Tu lui dois aussi obéissance. Celui qui t'accueille, m'accueille. Alors, je souhaite beaucoup de collaboration entre vous. Beaucoup de respect entre vous, consolider la fraternité et que la gloire de Dieu puisse resplendir dans le doyenné de Saint Pie X. La paix du Christ. Amen. Bon, je vais terminer en disant ceci. Le vice-président du conseil qui est venu tout à l'heure, merci pour le mot, a dit ceci. Ah, mais regardez, c'est tout est en chantier. C'est la vérité, non? Mais il faut... Mais les premières communautés chrétiennes, comment elles travaillaient? Les premières communautés chrétiennes, il faut lire Actes 2, 42, 47. Ils priaient ensemble, vous comprenez, non? Ils partageaient l'Eucharistie ensemble, ils vivaient la fraternité et ils mettaient tout en commun. Ce sont les Ntinsani. Battez-vous pour ça. Et par la grâce de Dieu, si vous achetez 100 tôles, le diocèse peut aussi ajouter quelque chose. Mais nous devons travailler ensemble. Alors ne dormez pas. Ceux qui ont travaillé tout ça, là, comment ils ont fait? Chacun met, chacun donne sa part de briques. Chacun contribue. Monsieur le curé, personnellement, je vous l'ai dit, je ne vous ai pas envoyé par hasard ici. Je vous ai dit, Tata Kinzonzi, là où tu vas, là, l'église est inachevée. Bats-toi avec les chrétiens pour finir cette affaire. C'est ta mission. Mais tu vois, pour achever cette église, il faut que tu fasses comme Jésus qui a détecté, n'est-ce pas, les hommes de mauvaise foi. La paix du Christ. Amen. Lazare, comment il s'appelle là? Zachée. Zachée était là-bas, il ne s'attendait pas à Jésus. Ah, Zachée, Isaku. Il a dit le mot kabayaya. Mukwiza et Jésus. Et Jésus l'a accueilli. Il a cru accueillir Jésus, hein, mais c'est Jésus qui l'a accueilli. Et comme Jésus l'a accueilli, il a ouvert son cœur. Avec les achés là, que vous allez détecter au milieu, et les bons et les mauvais,
ramenez les cœurs à Jésus. Et vous verrez que si les cœurs sont propres, l'église va s'achever. Là où ça ne s'achève pas, là, c'est quand il y a la mauvaise volonté à l'intérieur. Mais dès qu'il y a la bonne volonté à l'intérieur, eh bien, ça ira vite. De toutes les façons, c'est l'œuvre de Dieu. Il finira toujours par achever. L'essentiel, c'est que nous soyons des vivants dans notre cœur, sur cette terre, pour être vivants demain dans la gloire de Dieu. Amen. Amen.